hier, eh bien, j'ai diffusé une vidéo sur laquelle je fais Alibaba. Alibaba. Oh, pardon, vous êtes là. Excusez-moi, j'étais en train de je parle pas aux arbres, hein, je suis pas devenu débile. Hein. Excuse-moi quelques secondes, ils sont arrivés, je vais faire une vidéo. Parler aux arbres. Pour beaucoup, ça pourrait être complètement stupide. Mais croyez-moi que ça ne l'est pas. Avez-vous déjà essayé de... pas spécialement parler, en fait, hein, mais d'entourer un arbre. D'essayer de ressentir son énergie. Cette énergie qu'il dégage et qui nous enveloppe. On se sent bien de faire ça. Avez-vous déjà essayé? Faites-le, essayez un moment ou un autre. Choisissez un arbre. Là, c'est un chêne, mais vous pouvez utiliser n'importe quel arbre. Un pin, un frêne, ce que vous voudrez, et quelle que soit sa taille. Lui, il est moyennement grand. Mais d'entourer un arbre comme ça, ça peut paraître... benêt, pour beaucoup. Mais on ressent vraiment quelque chose. C'est comme si l'arbre voulait communiquer avec nous quelque part. En nous enveloppant d'une énergie très agréable, qui vient de toute sa force, de toute sa splendeur, qui vient de la terre, de ses racines. Et on se sent vraiment bien. Essayez, n'ayez pas peur du ridicule. Seuls sont ridicules ceux qui n'osent pas dans la vie. Faut oser, essayez de le faire. Vous savez, il y a des agriculteurs qui diffusent dans leur serre de la musique à leurs plantes pour qu'elles poussent mieux. Et elles poussent mieux. C'est assez hallucinant le truc. C'est bien qu'elles ressentent quelque chose. Regardez, tous ces gens qui parlent à leurs plantes, quand ils en prennent soin, ils les arrosent, ils mettent un peu d'engrais. Eh bien, les plantes sont plus belles que celles avec qui on ne communique pas. Et c'est prouvé, ça. Hein. On dit aussi que les arbres, eh bien, pourraient communiquer entre eux. Voilà, j'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps là-dessus. Par le sol, ils pourraient communiquer entre eux. Et pourquoi pas, après tout, qu'est-ce qu'on en sait? Moi, tout ce que je sais, c'est que à chaque fois que je fais ça, je me sens bien. Vraiment, je me sens bien. Mais il faut le faire sérieusement. Il ne faut pas le faire deux secondes comme ça. Il faut le faire sérieusement. Et on a l'impression que l'arbre veut communiquer avec nous. Alors, nous, on peut communiquer à travers les mots. On a une bouche, lui, il n'a pas de bouche. Il communique d'une autre manière, en nous enveloppant d'une énergie. Et quand on est enveloppé par ça, alors je ne sais pas comment ça s'appelle trop, c'est moi qui mets des mots à ce que je ressens, mais cette enveloppe-là nous déstresse, nous fait du bien. C'est comme s'il nous disait « Protégez-nous. » Nous sommes importants pour vous. C'est vrai que sans eux, on n'existe plus. Ils nous donnent tellement, ces arbres, tellement. J'ai déjà rien que de l'ombre en été quand il fait super chaud. On aime se mettre sous un arbre. Ils nous donnent également notre oxygène, alors pas seulement que les arbres.
nous donnent tellement. Et j'ai l'impression que de temps en temps, ils me disent « Arrêtez de nous détruire. Arrêtez de nous massacrer. On est la vie. On est important. » Et je ne sais pas s'il y a vraiment une technique meilleure qu'une autre pour ressentir l'énergie que dégage un arbre. Ce sera à vous de voir. Comme ça, dos contre lui. Arrête, tu me fais des chatouilles. Ouais, enfin, bon. Arrête. Bon, en tout cas, je vous incite vraiment à le faire. Quelle que soit la taille de l'arbre, quel que soit l'arbre, essayez, faites-le sérieusement. N'ayez pas peur du ridicule. Bon, c'est vrai, vous n'allez pas faire ça dans un parc où il y a 400 personnes. Parce que beaucoup ne comprendraient pas. Ce genre de choses-là, il y a plein de personnes qui ne le comprennent pas. Et parce qu'ils ne le comprennent pas, ils vont vous traiter de débile. Alors que vous serez beaucoup moins débile que vous en aurez l'air. Ce serait peut-être plutôt les autres qui seraient débiles. De ne pas essayer de comprendre. Moi, je pense que la nature essaie de communiquer avec nous de différentes manières, sauf que nous, on ne sait pas l'écouter. On refuse de penser que cela est possible, la communication entre homme et nature, arbre ou plante ou ce qu'on voudra. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui utilisent la musique hein, pour que les plantes poussent mieux. Et ça marche, et c'est pas pour rien. Les fruits et légumes seraient sensibles à la musique, tout comme les animaux d'ailleurs. Et seraient encore plus beaux. Du coup, où est la bêtise? Ah, je me sens bien. Je me sens bien. De toute manière, dès que je suis là, dans un bois, dans la nature, je me sens bien. Et ce qui me donne, moi j'ai du mal à lui rendre. J'ai essayé à travers mes vidéos de sensibiliser le plus possible les gens, de différentes manières, et tant pis, si on me prend pour un bonnet, c'est pas grave. Si je peux leur rendre ce qu'ils me donnent à travers mes vidéos, tant mieux, c'est gagné. Mais c'est vrai que parfois, quand je le regarde, et que je vois ce que mes semblables font un peu plus loin, où ils ont détruit des hectares, de forêt pour laisser place à une route ou autre chose. Parfois je me sens mal à l'aise devant eux. Je les aime ces arbres. Vraiment je les aime. Ils nous donnent tellement, tellement. Essayez de le faire. Essayez de ressentir quelque chose. On ne va pas ressentir tous la même chose. Ce sera différent chez chacun. Même certains ne ressentiront rien parce qu'ils ne l'auront pas fait sérieusement. Imaginez cette puissance pour donner vie à un arbre comme celui-là. Et encore celui-là, il est d'une taille moyenne. Eh bien, il nous redonne un peu de cette puissance. Pour qu'on essaie de le comprendre. Peut-être. Moi, je le fais très souvent, ça fait des années que je le fais, je ne le fais pas systématiquement, mais ça fait très longtemps que je le fais. D'essayer de communiquer, de ressentir un arbre. Et je ne peux pas dire que je comprends. Enfin, on n'a pas du tout le même langage, on est des espèces complètement différentes, et c'est un peu... comme si on essayait de comprendre un dauphin, on a du mal, on n'y arrive pas. Et c'est en le faisant de plus en plus qu'on apprend, qu'on ressent des choses. Et croyez-moi qu'on ressent l'énergie qu'il nous donne. Il nous donne quelque chose. Il nous enveloppe d'une énergie. Il essaye de communiquer avec nous. La nature essaie de communiquer avec nous, sauf que nous, on ne l'écoute pas. On l'écoute de moins en moins, on est de plus en plus connectés.
à un monde virtuel, irréel. Et qui devient réel, c'est ça qui est le pire. Et on se déconnecte de tout ça. Les anciens, tout ce que je dis, le savaient bien. Mais on perd le savoir aujourd'hui. Et c'est eux qui en souffrent, les premiers. Voilà, j'ai essayé de partager quelque chose avec vous, essayer de... Parce que là, c'est lui qui me le dit derrière. Protégez-nous, protégez-nous. On est la vie, on est votre vie. Arrêtez, arrêtez de nous saccager. Ou alors, à chaque fois que vous nous déracinez, replantez un arbre derrière, systématiquement. En fait, c'est pas moi qui fais la vidéo, c'est lui là-haut, à travers moi. Oui, je sais, je vais me faire passer pour un gros débile, mais c'est pas grave, je n'ai pas peur du ridicule. Hein, que c'est vrai, tu le sais, toi. Voilà. Je ne sais pas si vous saurez aller jusqu'au bout de la vidéo d'un fou. Mais croyez-moi, je ne suis pas fou. Je vous invite à essayer. Plusieurs minutes. Quelle que soit votre manière de faire. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas une technique meilleure qu'une autre. C'est comme vous le sentez, vous. Ah, c'est vrai, Gaston. Ah oui, je l'ai baptisé Gaston. Il n'aime pas ça du tout. Allez, à la prochaine. Tiens-toi bien. Hein. Et merci pour tout ce que tu nous donnes. Toi et tes amis qui nous entourent. À bientôt pour une prochaine vidéo. Tu sais bien que je préfère Kevin. Je n'aime pas quand tu m'appelles Gaston. Eh ben c'est Gaston quand même. Oh. Oh tiens, mais c'est le jeune Marcel. Mais comme tu as grandi toi. Alors comment tu vas? Ça crie pas, on va. Arrête de me parler, toi, tu me fais passer pour un fou.